Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle et nous appelle à sa joie. Et ce matin, il appelle tout spécialement une enfant avec sa famille. Chers parents, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Que demandez-vous pour Stacy, Laetitia, à l'église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devriez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime mieux et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Vous conscient de cela? Oui. Et vous qui avez accepté d'être les marraines de Laetitia, Stacy, Laetitia, vous devriez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Stacy, Laetitia, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, ses parents, son parrain et sa marraine, vous la marquerez après moi du signe de la croix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Toi qui rassembles ce qui est divers et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Venez et vous verrez. Ils allèrent donc
Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire « Pierre ». Par le chant de l'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que Dieu veut que les choses que nous faisons, nous les fassions à fond ou à moitié? Est-ce qu'il veut que le cœur des jeunes chante juste, chantent de tout leur cœur, et cela pour la gloire de Dieu, en accomplissant en ce moment même la volonté du Seigneur? Est-ce qu'il veut que les servantes-messes servent avec une grande attention, guidant par notre regard, un peu comme Jean-Baptiste, notre propre regard sur le mystère de Jésus, conduisant dans la foi à la reconnaissance adorante de cette petite hostie qui est le salut du monde qui nous est offert? Est-ce qu'il veut que nous fassions notre travail avec toute l'énergie requise, l'application et si possible avec justice? Est-ce qu'il veut que des parents mettent beaucoup d'énergie pour éduquer leurs enfants et les aider à s'épanouir dans la grâce du baptême et donc dans la lumière de la foi, dans le dynamisme de l'espérance et dans l'ardeur de la charité? Frères et sœurs, est-ce que Dieu veut que nous agissions de cette manière-là, où il se contente que nous vivions notre vie mollement? Quelle est votre réponse? Vous êtes digne? Oui ou non? Oui. Frères et sœurs, j'aimerais vous montrer jusqu'où peut aller cette application avec l'exemple de Samuel. Parce que manifestement, Samuel fait des choses à fond. J'ai toujours été frappé par les levées successives de Samuel. On l'appelle, il se lève. Il va vers Élie qui lui dit « Je ne l'ai pas appelé, va te coucher ». Il se recouche. Il entend un nouvel appel, il se lève, et tout de suite, et promptement, et même il court. De nouveau, je n'ai pas appelé, va te coucher. Une troisième fois, eh bien, frères et sœurs, personnellement, je ne sais pas comment vous réagirez, mais personnellement, je serais certainement resté au lit. Peut-être même déjà au deuxième appel.
Et pourtant, Samuel, trois fois, se lève et répond. Mais ce qui m'a encore plus frappé récemment, c'est que finalement, il va chaque fois se recoucher. On sait, surtout à l'adolescence, si on s'est plus envie de se coucher. Et on sait presque à tout âge combien il est des fois difficile d'aller se coucher. Or, Samuel, chaque fois, se recouche et se recouche tout de suite. Cela nous montre l'extraordinaire disponibilité de ce cœur d'enfant. Il se lève parce qu'on l'appelle, il se couche par obéissance au prêtre élu. Il est prêt à faire ce qui convient au moment. La nuit, il faut aller dormir. Cela nous montre une indication précieuse. Si nous voulons répondre à l'appel du Seigneur dans notre vie, si nous voulons vraiment faire sa volonté, il nous faut être détachés. Détaché de tout le reste, avoir comme seul objectif faire la volonté de Dieu, parce que cette volonté va être justement l'épanouissement de notre cœur et donc aussi la joie et le bonheur de notre cœur. Et dès maintenant, dès ici-bas, cette disponibilité entraîne aussi toute notre vie. Il y a une durée. Et en effet, on conclut ce récit de Samuel à cause de sa disponibilité à écouter la parole de Dieu. Toutes ces paroles ont été efficaces. Dans l'Évangile, on s'aperçoit aussi de cela. À la question de Jésus, les deux disciples, la question « Que cherchez-vous ?» répondent « Non pas, soit on part, mais où demeures-tu ? » Le mot demeure a le sens de la demeure, de la maison où quelqu'un habite, mais aussi de la durée que cela implique. Et c'est pourquoi nos engagements de chrétiens impliquent notre vie, impliquent que nous répondions à l'appel du Seigneur, que nous y allions avec empressement, et si nous voulons durer, aussi parfois nous reposer et vivre tout cela avec une disponibilité du cœur. Saint Paul nous dit du reste le sens profond de la grâce de notre baptême. Vous êtes les membres du Christ. Vous êtes le sanctuaire de l'Esprit Saint. Et Dieu veut habiter notre demeure, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pas seulement le jour de notre baptême, mais tout au long de notre vie. Et c'est pourquoi il nous demande cet attachement profond. Je soulignerai juste un mot de ce texte de Saint Paul qui dit « Celui qui veut s'unir au Seigneur ne fera qu'un seul esprit avec lui. » En grec, s'unir, dans ce texte, c'est kolomenos. Et ça veut dire coller. On a gardé le mot coller pour une vision dégradée de la sexualité, vivre à la colle. Mais ici, Dieu veut une colle de qualité pour que nous soyons unis à lui, que lui demeure uni à nous. Et en étant unis dans cette expérience d'une rencontre avec Jésus, alors nous rayonnerons la joie. Imaginons simplement Saint-André cherchant son frère Pierre et lui disant d'un ton morne, on l'a trouvé le Messie. Aucun résultat. Mais parce qu'avec joie, la joie de cette rencontre avec Jésus, André peut dire à Pierre, on a trouvé le Messie. Il l'amène et nous savons que toute leur vie a été transformée par cette rencontre
et qu'ils iront jusqu'au bout et même jusqu'au martyr pour le témoignage de cette rencontre avec le Seigneur. Demandons si ce même dynamisme répondant fortement, profondément au Seigneur, répondons à son appel, suivons-le jusqu'au bout. Amen. Sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi. La foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Je vous invite à dire trois fois d'abord, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Et maintenant, je vous invite à dire par trois fois, je crois.
Croyez-vous en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que Stécie Laetitia soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui. Stécie Laetitia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. T'as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Allez, là. Je vais mettre un peu d'orgue. Je pensais que c'était juste la vie par-dessus, mais il semble qu'il faut un peu plus. Il faut dévêtir le vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Maman. Thank you.
Tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc né le ciel. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fille de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Stécie Laetitia, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Stécie Laetitia pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. Il habite le cœur de tes fils. Il remplit l'Église tout entière. Il ne sait
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant l'une seule. Bernard Bali,
Démorie et Sonda, Gagné, Salomé, Anava et Léonard, Léocaretti, Mia. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toute notre communauté paroissiale, sur la petite Stécie Laetitia et sa famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Paris, avec lui en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, les siècles des siècles. Il y a avec tous les chrétiens de toute confession, je dis avec confiance, la prière des enfants de Dieu, en particulier aussi au nom de la petite Stécie Laetitia. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit Merci à notre Seigneur.
sacristain, lecteur de Seigneur Eucharistie. À tous ceux qui œuvrent pour que nous soyons rencontrés Jésus dans la joie et pouvoir ainsi en témoigner par toute notre œuvre. Allez, dans la paix du Christ. Jangan cuma kayak foto.